La série de l'été de Téléstar se poursuit et après avoir tenté de déterminer le couple le plus hot, CEST à la recherche du couple le plus mignon qu'on se lance. Et le degré de mignonnerie des candidats en lice est indéniable. Greg Delobel, Michael Mittelstadt, et Elliot Prévost, Nicolas Anselmo, de la série Ici tout commence d'un côté, contre Jack Roussel, Dimitri Fouque, et Ryan Zaïd, Sacha Burdy, de Demain nous appartient de l'autre. Les fans d'Ici tout commence le savent, les choses n'avaient pas très bien commencé entre Greg et Elliot, et il aura fallu du temps à Greg pour mettre son homophobie de côté et enfin reconnaître qu'il était attiré par Elliot. Après quelques années et un développement impressionnant de la part de Greg, les deux jeunes chefs se sont récemment dit oui dans Ici tout commence pour passer le reste de leur vie ensemble. Face à eux, Jack et Ryan de Demain nous appartient ont aussi eu des débuts tumultueux. CEST quand Jack avait perdu la vue que Ryan cesse d'illustrer, se montrant aussi impertinent que patient avec son camarade pour lequel il a ensuite développé des sentiments. À partir de là leur histoire a été semée d'embûches propres au drame adolescent avant qu'ils ne réussissent enfin à être heureux et ensemble. Greg et Elliot se sont mariés dans Ici tout commence, difficile de départager les deux couples, qui ont chacun des particularités qui les rendent adorables. Pourtant CEST à Greg et Elliot qu'on va attribuer la palme du couple le plus mignon, et ce pour plusieurs raisons. À commencer par leur mariage. Et oui, le couple de Greg et Elliot a franchi un pas important qu'il faut reconnaître. Mais ce qui les rend incroyablement attachants, CEST surtout leur évolution au fil des ans et l'amour grandissant qui se renforce encore chaque jour. Malgré leurs différences, Greg et Elliot ont réussi à trouver un équilibre qui les comble tous les deux, et qui leur fait bien mériter le titre de couple le plus mignon des feuilletons. Même si Jack et Ryan ne sont pas très loin derrière. Vous pouvez retrouver ici le précédent papier de notre série d'été Duel de choc. Emmanuel Tessier, ITC, versus William Daunier, DNA, qui est le plus drôle? Just have